l'Évangile, le disciple fait trois choses toutes simples qui, en fait, nous enseignent grandement sur sa manière d'être disciple, trois choses que tous, ou presque, nous sommes capables de faire. Tout d'abord, il court, ce que tout le monde ne peut pas faire. Cela veut dire qu'il est capable de se laisser déranger. Capable de se laisser déranger par le témoignage de Marie-Madeleine, c'est-à-dire capable de ne pas rester enfermé dans son amertume et sa déception. Et pourtant, il y avait de quoi. Tout ce en quoi il avait mis son espérance quand il était surnommé fils du tonnerre, toute la fierté qu'il avait d'être disciple d'un rabbi pour lequel il valait le coup de faire descendre le feu du ciel, eh bien tout cela s'est cramé, fini, abandonné. Et pourtant, malgré cela, le disciple ne se laisse pas enfermer. On voit peut-être là le signe de sa proximité avec la Vierge Marie, grâce à laquelle il a gardé l'espérance, c'est-à-dire la certitude que la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mes paroles ne passeront pas. Et c'est pour cela que malgré les affres de la passion du Christ, Jean demeure disciple. Et au matin de la résurrection, le disciple, c'est celui qui marche derrière. Eh bien, il ne marche plus derrière, il court au-devant de son maître. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que Jean a fait, ce que le disciple a fait quand il court vers le tombeau. Il doit repasser dans sa tête et dans son cœur les événements de la passion, les paroles et les gestes du Christ qu'il a vu et écouté pendant 3 ans. Et alors qu'il court dans ce travail intérieur de sa mémoire croyante, le disciple unifie ce qui ne l'était pas encore, l'Écriture, la Torah, les paroles et les gestes du Christ, et enfin, l'événement qu'il est en train de vivre sans bien savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être la première grâce qu'on va demander ce matin à notre Père Saint Jean, de nous revivifier dans l'espérance. Peut-être que nous pouvons et que nous devons lui demander qu'il y ait des Marie-Madeleine qui viennent nous permettre de réentendre aujourd'hui à nouveau notre appel et notre vocation à suivre le Christ, à être disciple à l'école de Jean. Laissez résonner notre appel à nouveau aujourd'hui, comme Jean au matin de la résurrection, avec beaucoup moins, voire plus du tout d'illusions, mais tellement plus d'authenticité. Aux disciples qui courent, le Seigneur fera la grâce de l'espérance. Tout en se remémorant tous ces événements sous l'action de l'Esprit Paraclet, le disciple parvient au tombeau. Et que fait-il? Eh bien, tout simplement, il regarde, il ouvre ses yeux. Et là encore, il ne se laisse pas enfermer dans ses pensées, ses doutes, ses étonnements, ses incompréhensions, ses raisonnements théologiques. Au contraire, il sort de lui-même pour regarder. Et que voit-il? Ma foi, pas grand-chose. Les linges bien pliés. Et ce n'est rien, et pourtant, ce détail ne manque pas
de l'interpeller. En effet, il a gardé dans sa mémoire croyante la résurrection de Lazare quelques jours auparavant. Et il n'a pas oublié qu'après avoir ressuscité Lazare, Jésus leur a demandé à eux, les disciples, de délier Lazare, de lui retirer ses bandelettes. Et il sait, lui qui l'a fait, que c'est bien compliqué de délier un cadavre. Et que, à la fin, une fois qu'ils ont eu terminé de désembobiner la momie, eh ben, il y avait juste par terre un gros tas de lambeaux. Et là, au contraire, il voit les linges pliés bien à leur place, comme si quelqu'un d'autre, de l'intérieur du tombeau, avait délié son fils des liens de la mort. Et si Dieu lui-même était venu accomplir pour son propre fils cette parole qu'il a entendue de la bouche de Jésus, le Père réveille les morts et vivifie. C'est tellement étonnant de voir comment le disciple a la capacité de voir là où il y a si peu à voir. Vous savez, comme au point de départ, quand il a demandé à Jésus, « Maître, où demeures-tu ? » et que Jésus lui a répondu, « Venez, et vous verrez. » Et qu'il les a emmenés en plein désert, là où, au regard humain, il y a si peu à voir. Eh bien, c'est la parole du Christ qui donne aux disciples la capacité de voir. Le Verbe s'est tellement fait chair que la parole devient visible, que la parole rend visible. Le prophète n'est pas l'homme de la prédiction, mais l'homme de la parole qui se donne à voir. N'est-ce pas là la deuxième grâce que nous pourrions demander ce matin à notre Père ? Que son témoignage, que le témoignage de l'Évangile, que la parole de l'Évangile telle qu'il nous l'a transmise, nous enfante à la foi. Que Jean nous donne son propre regard pour nous apprendre à contempler le visage du Christ. Alors, il nous enfantera à la foi. Alors, il deviendra réellement notre Père. Demandons-lui cette grâce de la vision de la foi qui nous permettra d'être prophète pour le monde d'aujourd'hui. Enfin, ce regard éclairé par la parole du Christ qu'il fait résonner en lui donne aux disciples de croire. Il vit et il crut. Cette foi, elle est d'abord une nouvelle pénétration de l'Écriture, dont le Christ et sa résurrection sont la clé. C'est peut-être la raison pour laquelle la foi chez Jean est une source de vie. Comme il l'affirme, « Toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyiez et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Croire n'est pas seulement, pas d'abord, une adhésion intellectuelle. Croire est une communion qui fait vivre. À tous ceux qui le reçoivent, le Verbe a donné de devenir enfant de Dieu. Croire, c'est se laisser enfanter par l'incarnation et la résurrection du Christ. Et du coup, cette foi vivifiante,
Elle devient bonne nouvelle, elle devient évangile, comme nous l'avons entendu dans le prologue de la première épître. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. C'est peut-être la troisième grâce que nous pouvons implorer de notre Père Saint Jean ce matin, de faire de nous des hommes de la bonne nouvelle, des hommes de l'Évangile, des hommes transformés par la vie du Christ qui nous est donnée par la foi. Être des hommes de l'Évangile pour être pour l'Église un Évangile vivant. Vous aurez peut-être remarqué ce à quoi j'arrive. Si nous avons demandé comme première grâce l'espérance, comme deuxième grâce d'être prophète et comme troisième grâce l'Évangile, cela vous rappelle peut-être les trois mots qui nous ont été donnés par le pape François pour l'année de la vie consacrée en 2014. La vie consacrée pour l'Église, espérance, prophétie et évangile. Alors oui, en ce jour où nous célébrons notre Père avec joie, quelles que soient les tempêtes et les difficultés que traverse l'Église, que traverse notre famille Saint-Jean, si nous nous laissons enfanter par lui et par son Évangile, nous pourrons authentiquement être pour l'Église, fils de Jean, consacré pour être espérance, prophétie et Évangile. Amen.